Wow! Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte en merveille. Ça me sert quand même. Je suis déboutonné, qu'est-ce qui va pas? Ah, il faut être quand même libre. Wow! Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, en dessous, s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la sortie de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de causer avec vous. Venez les amis, on va causer, on va échanger sur certaines choses. Vous risquez même d'être étonnés. Récemment ici, il y a une star qui a fait sortir un concept, une nouvelle danse. Et à cause de cette danse-là, un enfant s'est mis tout simplement nu en faisant du haoko, masturbation en bon français. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a poussé l'enfant à le faire? Personne ne sait. Mais on sait quelque chose d'assez étrange que nous avons entendu de la part d'un grand du hip-hop, en guillemets, grand en guillemets, de la musique. Hip-hop. Cette personne-là disait que le hip-hop est une religion. Quoi? Juste comme ça? Juste comme ça, le hip-hop est une religion. En quoi le hip-hop est-il une religion? Est-ce que vous comprenez même? Genre, comme quelqu'un veut vous dire que le coupé décalé, c'est une religion. Est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire? Genre, quelqu'un vient vous dire que le zouglou ou bien le zouk, c'est une religion. Et cet homme explique même. Pourquoi c'est une religion? Cet homme dit que, premièrement, vous devez savoir que toutes les paroles que vous prononcez au travers de nos musiques ont des effets. Il dit que toutes les paroles que nous prononçons, c'est-à-dire toutes les paroles de la chanson, que nous recevons à prononcer tout ça. En fait, nous recevons quelque chose. C'est comme si ça avait été fait sur nous. Et il allait plus loin pour bien nous expliquer ça. Il dit que si par exemple vous écoutez une chanson, ou de cette chanson-là, la personne, elle chante et elle dit par exemple que elle est une mauvaise personne. Si vous répétez la même chose, ou quand vous allez répéter la même chose, vous allez appeler l'esprit mauvais là, sur vous. Vous allez vous dire, ah, c'est la personne qui chante comme ça, et moi j'ai aimé, donc je chante ça. Mais la personne dit que, quand on dit que le hip-hop est une religion, c'est tout simplement parce que ceux-là même qui chantent là, ce sont les prophètes. Et ce qu'ils disent, ce que ces gens-là disent, ça a des effets sur les gens. La parole qu'on prononce, ça a des effets sur toi. Imagine-toi. Imagine-toi. Bon, prenons un peu le cas de ce qui s'est passé même ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une star qui a fait sortir une chose, une nouvelle danse. Un nouveau concept. Ça s'appelle comment? Aoko. Cette star dit que c'est un instrument de musique. Mais, chez nous ici, là, quand on dit haoko, nous savons que c'est masturbation. Personne ne sait que ça se devient un instrument de musique ici. Même si peut-être certaines personnes le savent, mais la manière dont on danse cette danse-là, la manière dont eux-mêmes, ces personnes-là qui ont créé cette danse-là, nous-mêmes encore, regarde, on se dit même jour, ils sont tous de faire des trucs bizarres, hein, ça c'est normal, même que c'est la masturbation, même, c'est clair, y a rien à dire, à cacher ici. Vous voyez? Et cet enfant même qui a entendu la musique, qui a appris comment on danse la danse, lui aussi, il s'est mis à danser. Et sans le savoir, c'est des effets sur son esprit, sur son subconscient, au point où ça l'a même poussé à se déshabiller devant tout le monde. Il n'avait pas eu honte. Il n'avait pas eu honte. Il s'est juste mis nu. En train de se masturber. Cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo ici.
Vous allez voir. Et les gens acclamaient. Ils criaient même. Mais attrapez-le. Il y a une personne qui a regardé la vidéo qui dit, ah, comment vous aussi, vous pouvez voir l'enfant en train de faire des bêtises comme ça, puis vous ne pouvez pas le corriger. Attrapez-le, puis gifle-le, même là, il va comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Et cette star a dit qu'elle n'est pas responsable de tout ce qui vient de se passer. Parce qu'elle n'a jamais demandé aux enfants de se déshabiller et de se masturber devant les gens. Vous voyez? Maintenant, revenons à cette personne. Cette personne connue dans le monde du hip-hop qui disait que le hip-hop, c'est une religion. Et que ce qu'on prononce, on attire cela sur nous. La plupart du temps, même dans certaines chansons, mais les chansons mais qui font même le buzz ces temps-ci ou encore dans notre monde ces derniers temps, ce sont des chansons qui parlent de sexe, de la violence. Genre, on va te dire que fixe-toi un objectif et écrase toute personne qui se passe sur ton chemin. Oui, il y a un gars qui est dans genre la musique dure, la musique qu'on appelle le rock là. Ce dernier lui chante et il dit, fixe-toi un objectif. Là, tu es content, tu dis, oh, voici un gars qui aime bien me parler de mes objectifs, il est joli. Après, il te dit, écarte toutes les personnes qui vont se passer sur ton chemin. Et là, quand toi, tu chantes ça, automatiquement, sans le savoir, tu habitues ton esprit à se comporter ainsi. Ou encore ton subconscient va recevoir des informations, de sorte que des choses, c'est-à-dire ton corps puisse réagir automatiquement, même systématiquement, en fonction de tout ce que tu as avalé ou encore emmagasiné en écoutant une chanson, même en répétant les paroles mauvaises d'une chanson. Ça a bien des effets quand même. Hein. On met la bâtiment où l'enfant s'est déshabillé, c'est là, mais j'ai compris que vraiment, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on dit là, franchement, on doit prendre en compte cela, parce que ça a des effets. Toi, tu peux appeler la bénédiction sur toi. Et en même temps, tu peux appeler la malédiction sur toi. Juste en répétant les paroles d'une chanson. Toi, tu comprends rien. Toi, tu te dis, ah, c'est juste pour rigoler. Même ceux qui font la chanson disent, bon, tu sais, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ça veut rien dire. La chanson ne veut rien dire. Toi, tu ne fais que te lever pour danser. On te montre même les pas de danse. Bon, regardez un peu ce qui se passe dans le coupé décalé ou encore dans les chansons où on parle d'Atalakou. Atalakou, là, c'est une manière de faire qui est un peu bizarre, comme si on était de faire un truc. Je sais pas comment même vous définir, mais c'est ce que c'est qu'Atalakou. Mais ce que c'est qu'au Congo, on voit les Atalakou, c'est là-bas même que tout est venu. Et quand les gens parlent rapidement comme ça, des gens. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Genre, comment vous dire? Je vais essayer de le faire pour vous-même. Atalakou, facile. Atalakou, et puis ça ne veut rien dire. Comment on va faire? Bon, peut-être que tu es fort. Comment tu peux faire? Fais ton Atalakou en dessous de cette vidéo. Fais ton Atalakou. Déjà, quelqu'un qui dit. Ça l'appelle la talakou, non? Ou bien, quand il chante, la personne chante, il parle pour toi, il dit que, oh, toi, tu es un vrai gars, il parle de toi, et il parle, il même mélange mieux ces mots. Allez, c'est juste tout, même, dans le coupé décalé, qu'on voit beaucoup ça. Et on met des pas de danse qui accompagnent. C'est à Talakou là, et en dessous, il y a une puissance, il y a de vrais sons, même de vrais sons. Daddy, la chanson est tellement bonne que, même si tu ne sais pas ce que la personne essaie de dire, toi tu danses seulement. Parce que, on va te dire que oui, tu sais, c'est l'animation, toi tu peux danser. Mais là encore, l'enfant, il a écouté l'animation et il s'est juste mis à se masturber. Mon Dieu! Ça veut décidément dire
qu'une musique a un sens, forcément une signification. Donc, t'as la cour, les choses que les gens disent, comme ça que peut-être tu comprends pas. Ça a une signification. Et c'est un langage. Ouais, c'est un langage. Et le langage des animaux. Les animaux entre eux là-bas, ils se comprennent. Vous voyez les oiseaux, ils font de ces bruits. Est-ce que vous entendez? Il est 6h06 du matin ici. Je n'ai pas encore dormi. Mais je vais vous parler de ça. Vous voyez, les oiseaux font des bruits. Et eux, ils se comprennent. C'est le langage. Maintenant, si tu attends les oiseaux, des oiseaux chanter, tu vas te dire, mais, what? Où sommes-nous aujourd'hui? Qui chante? Tu vas rien comprendre. C'est pourquoi il faut vraiment quand même chercher à savoir que signifie la chanson que tu écoutes. Sinon, tu vas te retrouver même dans les problèmes. Tout à l'heure, pour faire cette vidéo, je faisais des recherches. Je suis tombé sur un gars. Ce gars-là, il chante de la musique rock. Il est venu en compétition. Et il est arrivé là. Il va maintenant chanter. Il a commencé à chanter. Déjà, quand vous entendez le son, c'est-à-dire l'instrument, tout ça, la musique, il faut être bouche comme ça. C'est-à-dire toi-même là, t'as pas envie de faire bouger ta tête, mais ta tête bouge comme ça. Doum, doum, doum. Et sa chanson commence. Il commence et il dit, aïe, mais comment? Aïe, mais comment? Il dit, ce que j'ai pour dire en français, je suis Ekuma. Ekuma. Je suis Ekuma. Je suis Ekuma. Je suis Ekuma. Le roi de Ekuma. Toujours Ekuma, Ekuma, Ekuma. Vous voyez, non? Attends, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons. Il dit, je suis Ekuma. Il dit, aïe, mais comment? Aïe, mais comment? Aïe, mais comment? Il dit aïe, mais comment, et il ajoute des paroles, genre pour dire qu'il est, un Kouma, un Kouma. Vous voyez, non? Jean pour dire que lui, il est un Kouma. Et Jean, c'est le boss, c'est le chef, c'est le tuta. Et vous voyez, Jean pour se lancer des fleurs, quoi. Pour se lever. Et il se présente comme étant un Kouma. Mais toi, tu sais pas. Tu sais pas ce que Ekuma m'avait dit. Mais la chanson qui est en dessous là, avec même les paroles là, c'est tellement bien harmonisé, c'est tellement bien agencé, bien mélangé que toi-même là, tu remues ta tête, c'est moi, puis tu danses, tu tournes même pas de danse, tu tournes même pas de danse, tu danses. C'est ce qui s'est passé. Le gars est venu, il a pris le micro, aïe, mais comment? Et il rappe, il rappe, il rappe, il rappe, il rappe. Il a tellement bien fait la sauce que tout le monde était content, même les membres du jury, même ils étaient étonnés. Ah! Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu chantes? Tu es fort! Mais ils étaient venus de crier comme ça. Et ils vont maintenant. Il y a une femme qui a dit, mais ah, franchement, je suis là depuis là. J'attends des gens venir chanter ici. Depuis que je regarde, je vois même pas pour personne. J'adore déjà. C'est pourquoi, c'est pour des gens comme toi-même que je suis là. Mais dis-moi, mon ami, un coup mal là, ça veut dire quoi? Un coup mal là, ça veut dire quoi? Il a donné la signification en anglais de ce que c'est que un coup mal. Tellement la femme était dépassée là. Elle a fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Sans doute, elle s'attendait à ce que Ekuma signifie quelque chose qui va dans son sens. Mais la signification que cet homme a donnée là, c'était plutôt autre chose. Maintenant, moi, ma curiosité, je suis allé vous chercher sur Internet pour voir si ce que Ekuma veut dire. A-K-U-M-A. Je vais y chercher, je vois rien. Pas de signification. Sinon, je vois un personnage de jeux vidéo Capcom, les jeux de Capcom là, genre les trucs comme les Tekken, les jeux de combat là. Et il y a un personnage à l'intérieur qui a des pouvoirs occultes,
tes pouvoirs mystiques. C'est que lui, il est en colère, là. Ce personnage, tu vois le feu qui sort, bouh, tes énergies. Est-ce que vous avez déjà même regardé Naruto? Vous voyez Naruto, non? Voilà, c'est comme quelqu'un vient dire. Voilà, par exemple, expliquons un peu Naruto. Dans Naruto, là, si ceux qui ont regardé, qui le connaissent, ils savent. Dans Naruto, Naruto a un démon en lui. Comment ce démon-là s'appelle-t-il? Bon, comment on les qualifie, ces démons, comme les démons qui sont dans Naruto et autres, là? On les appelle comment? Comment on les appelle? Regarde ici, d'après les commentaires. On les appelle les démons à queue. Et Naruto avait un démon en lui qui était qui s'appelait, comment il s'appelle? C'est Kurama, non? Oui, il a même un nom. Kurama. Et c'est un démon qui a plusieurs queues. Combien de queues? Bon, il y a ici la partie commentaire, vous connaissez. Et imaginez qu'un gars se lève et il vient, il dit, je suis Kurama. Je suis Kurama, personne ne peut me défier. Je suis Kurama, je suis le chef. Dis ça en rappant. Je suis Kurama, personne ne peut me défier. Je suis Kurama, je suis Kurama, Kurama. Ouais, je suis Kurama, Kurama, Kurama. Je suis Kurama, Kurama, Kurama. Mais attends, tu sais pas qui est Kurama. Tu ne sais même pas qui est Kurama. Et toi, tu entends le son. Je suis Kurama, je suis Kurama, Kurama. Je suis Kurama, je suis Kurama, Kurama. Partout où je vais, je suis Kurama, je suis Kurama, 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 Kurama. Tu entends tout pareil. J'entends à chaque fois, Kurama, Kurama, Kurama. Je suis Kurama. Tellement la personne même a bien agencé les expressions, les mots, tout ça, avec la musique, comme le son qui fait doum, 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 comme si les gens allaient à la guerre. Quand toi, tu entends ça, qu'est-ce qui te passe dans ta tête? C'est là, ah! C'est nouveau, je ne sais même pas ce que signifie Kurama, mais apparemment ça doit être chaud, hein? Vu le son, tout ça c'est chic. Aïe, 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 aïe. Et là, puisque tu ne connais pas la signification de Kurama, tu vas aimer la chose là comme ça. La plupart des temps, les choses que les gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le sens, ils apprécient beaucoup ça. Mais quand on leur explique, ce que Kurama l'a dit, il veut dire, quand on va leur dire que Kurama, c'est tout simplement un démon qui a peut-être 6 ou 9 queues. Il va vous regarder comme ça. Attends, donc tu chantais depuis là pour un démon, hein? Donc tu étais de parler d'un démon. Mais quand tu dis que je suis Kurama, là, ça veut dire quoi? Toi, tu dis que toi, tu es Kurama. Ou bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou bien, tu veux nous dire que tu as possédé. De toutes les personnes qui ont répété aussi, je suis Kurama. C'est comme si ces gens avaient invoqué l'esprit de ce démon-là, ou encore ce démon-là, en eux. De sorte que ça ait plus d'effet, afin qu'ils puissent même bien chanter. Résultat, les gens se comportaient exactement comme des gens qui sont possédés. C'est pourquoi la musique. Il faut faire attention. Et cet homme qui dit que le hip-hop est une religion et que les paroles qu'on prononce, les paroles des chansons qu'on prononce ont des effets. Moi, je le crois. Hein. Et vous? Et vous? Regardez même les rappeurs américains. Les rappeurs américains sont venus avec une manière de s'habiller. On s'habille, on fait descendre des culottes, des pantalons. Ou bien les culottes, on voit même les sous-vêtements, vous voyez. Et ces rappeurs-là, quand ils arrivent, ils viennent avec une puissance, c'est-à-dire la chanson, le son en bas, là. C'est tellement sophistiqué que c'est tellement nouveau, ça paraît nouveau pour toi. Tellement c'est nouveau, là. Tu es touché en même temps, quoi. Et puis, ta manière, c'est bien fait. Tu te dis que ah, c'est bien fait. En même temps, tu vois la personne qui s'habille, qui fait descendre son pantalon. Toi, peut-être, toi, à cause de la chanson, même tout ça qui est accompagné, à cause de la puissance qui se trouve derrière la musique, toi, finalement, là, tu vas même à un moment donné t'identifier à cette personne ou encore à ce rappeur. Et tu vas tout faire de ce rappeur.
La musique, les gens sont fans de musique. Nous tous ici, nous sommes fans de musique. Malheureusement, on peut manipuler les gens par la musique. On peut les amener même à faire des choses, comme les choses qu'ils nous ont pas mis de faire, comme si c'était des ordres qu'on leur donnait. Une histoire même du coupé des galères qui disait, qui disait aux gens, écoutez, vous devez nous respecter. On dit, mais pourquoi tu veux qu'on te respecte? Pourquoi vous voulez que vous respecte? Il dit, parce que nous, les stars, là, nous sommes des concepteurs, c'est nous qui créons, on crée la musique, on crée tout. Et nous sommes des influenceurs. Les gens nous suivent. Ce qu'on fait, c'est ce que les gens font, parce qu'ils nous aiment. Donc, si vous ne nous respectez pas, là, on risque de créer des danses bizarres, et puis vos enfants vont danser ces danses-là, hein? C'est ça la parler de ça. Nous, on a cru que c'était de la blague. Et c'est pas de la blague. Réfléchissez. Cet enfant qui s'est déshabillé juste en écoutant et en dansant cette chanson qui s'appelle Aoko. Que s'est-il passé? Et la manière dont les enfants sont dansés, ou encore les gens sont dansés, cette danse-là. C'est clair que ça nous rappelle à tout prix la masturbation. Maintenant, toi, tu regardes ça tout le temps. Et tu es un chrétien. Ou tu es un croyant, un vrai croyant. Aïe! Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais pas les choses. Tu es dans la légalité. Maintenant, toi, tu te bats pour pouvoir abandonner peut-être la masturbation ou encore le sexe, tout ça. Maintenant, à chaque fois que tu regardes à la télévision, tu vois des gens qui sont détensés. Aoko. Et quand tu regardes là, tu ne penses pas au fait que la star a dit que Aoko signifie un instrument de musique, baoulé. Toi, automatiquement, quand tu regardes ça, tu regardes la star, ton esprit va loin. Oui. Et vu l'action que cet enfant-là a posée là, c'est clair, dans l'esprit de tout le monde, ce sera que ça. Masturbation. Aoko signifie masturbation. Aoko signifie masturbation. Et ça ne va pas changer. Même si c'est à la qui avait changé. Changer, dit que ça signifie autre chose. Les gens ils ne croiront pas. Parce que le message est déjà passé. C'est même entré dans le subconscient. Tu ne peux plus rien faire. Il faut seulement faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Quand on va au concert, là, où est-ce qu'on va? Il y a une star du hip-hop qui a dit ouvertement que elle est tout simplement un dieu. Juste un dieu. Comment t'as-tu pu être dieu? Tu vas aux toilettes comme les gens ici. Tu manges du poulet pressé. Du hamburger. Même tu as même la diarrhée. Comme nous. Et puis tu dis que tu es un dieu. Moi, je ne te comprends pas. Seul Dieu n'a pas la diarrhée. Et toi, tu dis que tu es Dieu. C'est pourquoi même moi, j'aime pas trop me taper la poitrine pour dire, moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. J'ai pas trop fait du pareil. Parce que, quelle est la différence entre toi? Ou bien parce que tu as l'argent, tu es un milliardaire. Ou bien parce que tu as trop de fans. Tu es trop suivi. Donc, tu as dit que tu es un Dieu. Il dit que lui, il était Dieu. Que normalement, là, son nom devait figurer dans la Bible. Donc, pour éviter les histoires, il a créé même sa propre Bible. Il est aux États-Unis, là-bas, vous le connaissez, il connaissait ça, de qui on parle. Et c'est ce dernier-là qui a été appelé dans une émission de radio. Et les gens veulent savoir. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il veut se faire passer pour Dieu même? Maintenant, arrivé là-bas, il va maintenant s'expliquer. Il dit, vous savez, la musique hip-hop est vraiment une religion. Et tous les musiciens, ceux qui même qui font de la musique hip-hop, ce sont des prophètes. Et toutes les personnes qui vont dans leur concert,
Ces personnes que vous donnez conseil là, ce sont des fidèles. C'est comme à l'église. Les artistes, du rap, les chanteurs, ce sont des prophètes, comme les hommes de Dieu dans les églises. Et ceux qui vont dans les concerts, ce sont des fidèles. Mon Dieu. À l'église, à un moment donné, on chante et on lève le mouchoir. Là-bas aussi, souvent, on lève le mouchoir et on danse. Et la notre manière de danser là, aussi là, ça ne s'enseigne pas à l'école. Donc, c'est clair. En plus, pour aller assister à un concert, tu dois payer ton ticket d'entrée. À l'église aussi, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les offrandes. Où est la différence? C'est pourquoi je vous dis que la musique, hip-hop et nous sommes des prophètes. Et moi, je suis comme un dieu. J'ai envie de dire un demi-dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, là, il est tout terrible. Les gens veulent avoir tellement de succès dans la musique qu'ils sont même prêts à faire tout. Prêts à tout faire, quoi. Comme signer des pactes avec les démons. Ou encore ce qu'on dit, les pactes avec le diable. Vous devez savoir que quand quelqu'un signe un pacte avec le diable, là, ou que quand une personne vend son âme au diable, cette personne-là donne quelque chose qui est un grand prix, quelque chose qui est précieux à ce sujet. Une chose précieuse. Maintenant, quand tu vois ton âme au diable, le diable te donne un vrai démon même pour t'accompagner. Et c'est ce démon-là qui t'aide dans tout ce que tu vas faire pour que toi tu puisses atteindre tes objectifs. Ça veut dire qu'ils sont de tout simplement être très connus, très riches, la gloire, le succès. Et quand le démon-là t'habite, à un moment donné, là, tu n'es plus toi-même. Le démon-là peut même parler à ta place. Et c'est le démon-là qui peut même chanter même des chansons. C'est-à-dire les paroles de la chanson, là. Ce n'est plus toi qui fabrique les paroles, là. Ce sont les démons. Et quand les démons parlent pour toi, là, parlent à ta place, ce qui se passe, c'est que tu parles comme une personne qui est un dieu. Les démons veulent être comme Dieu. Les gens possédés par l'esprit du diable veulent être Dieu. Oui. Les gens veulent toujours qu'on les ouvre les portières quand ils arrivent avec les voitures. Ils veulent toujours marcher sur le tapis rouge. La gloire. Si tu ne fais pas ça, moi je dis, mais tu es sûr de ce que tu veux faire? Parce que normalement, quand tu le vois, tu dois avoir peur. Parce que lui, il est censé inciter la peur chez les gens. Il veut dominer les gens. Il allait même prendre des pouvoirs occultes pour venir dominer les gens. Ça s'appelle la possession démoniaque. Les gens, il faut. C'est pas parce que les gens sont bien habillés à la télévision qu'ils ne sont pas possédés. Quand une personne vient vous dire qu'elle a besoin son âme au diable, là, imaginez la suite en même temps. Il y aura forcément possession démoniaque. Parce que ces personnes vont continuer à participer à des rituels. Mais le plus grave, là, c'est ce que nous sommes montés de vous dire. Les paroles de la chanson. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, là, la chanson, là, les paroles de la chanson que vous vous mettez à répéter tout et n'importe quoi. Vous risquez même de vous maudire, de vous auto-maudire vous-même. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant s'est juste déshabillé, c'est bien, c'est ma subi. Comme on vous l'a dit, cette vidéo va apparaître ici à la fin. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez bien regarder ça. Les stars de la musique sont vraiment terribles. Il faut vraiment. Faut pas les négliger. Faut pas les négliger. Ceux même qu'on appelle les influenceurs, des gens qui parlent et les gens les suivent facilement. Faut pas les négliger. Il y a des gens même qui vont faire des pactes avec le diable pour que tout,
Tout ce qu'ils disent là, les gens les écoutent et les suivent seulement. C'est-à-dire les gens deviennent hypnotisés et les suivent. Maintenant, la musique là, c'est un instrument très puissant que le diable peut utiliser pour véhiculer un message, pour que ça puisse pénétrer dans les âmes des gens. Oui, c'est bizarre, hein? Mais c'est ce qui s'est passé. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que cet enfant-là se déshabille comme ça pour danser et se masturbe en plein air? Quand on regarde ça, on se dit que le diable, il sait quel est son pouvoir. Le diable sait que la musique et les stades de la musique peuvent être utilisés juste pour se faire du blé ou pour gagner des âmes. Tout ce qu'il veut, c'est d'utiliser les personnes célèbres. Il va les faire croire que ce sont ces personnes-là, ce sont elles qui sont supérieures. Mais, en clair, c'est lui qui veut en tirer la plénitude de tout ça. Il veut tout. Et après, il peut même décider de les sacrifier gratuitement. Ayam Ekuma, une chanson qui dit Ayam Ekuma. Oh, Ekuma, c'est un démon. Mon Dieu. Et il y a plusieurs chansons qui sortent. Quelle est ta chanson préférée maintenant? Quelle est ta chanson préférée? Quelle est ta chanson préférée? Est-ce que tu es du genre zouk? Est-ce que tu es du genre R&B? Est-ce que tu es du genre rap? Un jour, plein concert. C'est un satanique qui nous appelle ça. Après le concert, il y a un démon qui a pris la forme d'une petite fille. Il est venu déposer un CD. Et quand cette petite fille-là est venue déposer ce CD-là, sur scène, devant le groupe de musiciens, eux, ils sont venus juste prendre le CD-là. Ils sont arrivés à la maison là, avec le CD. Et ils ont juste écouté ce qui se trouvait, ils regardaient ce qui se trouvait à l'intérieur. Et c'est là. Ils ont entendu une nouvelle chanson, un nouveau style. Et c'est de là qu'est venu ce nouveau style-là, où les gens chantent beaucoup sans s'arrêter. Oui. Et il y a même ce que vous voyez qu'on appelle le rock là. Savez-vous que les gens sont dit que la musique rock, c'est même la musique du diable? On leur dit même que quand les gens vont à l'enfer, la musique qu'ils entendent là-bas, que les démons aiment chanter là, c'est le rock. Le rock and roll. C'est pourquoi beaucoup de rock and roll signent des pactes bizarres avec le diable pour avoir du succès. Et ils sont bloqués après. Bon, c'était juste une petite vidéo, j'aimerais partager avec vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Et regardez la vidéo qui s'affiche ici.